L'intérêt pour la notion de jeu, ou plutôt j'ai intitulé mon bouquin « jouer », et j'ai fait le substantif « le jouer », le fait de jouer. Ce n'est pas les jeux qui m'intéressent, mais c'est le fait de jouer, et je ne savais pas trop comment dire, et je crois que finalement ça se comprend. Ce n'est pas tellement nouveau, il y a déjà dans la chasse à l'âme un certain nombre de paragraphes qui parlent du jeu, mais je n'en avais pas fait un concept à part, et ce qui m'a donné envie de travailler là-dessus, c'est le fait que la fête nationale s'appelait les trois jeux virils. Alors, c'était l'utilisation du même terme pour la fête nationale, le jeu, pour chamaniser. En Tungus, jouer c'est chamaniser, chamaniser c'est jouer. On voit la thèse d'Alexandra Lavrier qui dit « jouer pour vivre avec ou sans chaman » et elle montre bien qu'en Tungus, jouer et chamaniser, c'est quasiment interchangeable. Enfin, tous les termes chamaniser veulent dire jouer et réciproquement. Et donc, je m'étais dit pourquoi intituler des jeux comme ça, et alors que ce ne sont pas des jeux chamaniques, les trois jeux virils, etc. Et ça m'a donné l'idée de travailler sur ces questions-là. Mais en même temps, je me suis trouvée avec un concept qui était, dans les langues occidentales, compris comme extrêmement mineur. Le jeu, c'est fait pour les enfants, c'est frivole. Toute la littérature dit que c'est gratuit, que c'est sans utilité, etc. Enfin, les grands auteurs, à savoir Huizenga, Roger Caillois, etc. Et je trouvais que c'était assez bizarre que ça soit aussi dévalorisé chez nous, alors que la notion de jeu était tellement importante chez eux. Alors, c'est ça que j'ai voulu essayer de comprendre. Et je me suis dit aussi, il y a les Jeux olympiques. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça des Jeux olympiques? Bien sûr, ça date de la Grèce antique, mais quand même. Et comment est-ce que ça a disparu? Alors, je me suis intéressée à la disparition et donc à toutes les condamnations du terme, de la notion de jouer, dans la littérature patristique. Les pères de l'Église, ils ont tapé dessus à bras raccourcis. Et alors, qu'est-ce que représentait jouer pour eux? C'était tout à la fois, bien sûr, jouer, mais aussi danser, faire toutes ces choses-là. Et on sait que c'est quand même quand l'Empire est devenu chrétien que les jeux ont été supprimés par l'empereur Théodose, 393-394, après Jésus-Christ. Donc, cette littérature a été tout à fait fascinante. Alors, l'un des plus hostiles à la notion de jeu, c'était Tertullien, donc c'est le deuxième siècle, lui, mais aussi Chrysostome, Saint Jean Chrysostome, qui disait « Nos pieds ne sont pas faits pour danser, mais pour marcher modérément, pas devant l'autre. » Tertullien disait aussi le même genre de choses, que les jeux étaient trompeurs, que soit ils servaient à faire de la divination, comment ça, mais c'est pas nous qui réglons l'avenir, c'est la volonté divine, c'était fait pour ruser. Et il disait aussi cette chose, c'est que pourquoi est-ce que les Romains, quand ils voient un homme plein de sang dans la rue, en dessous de chez eux, eh bien, ils sont paniqués, ils vont le plaindre, etc. Tandis que quand ils voient un gladiateur au stade qui est en sang, alors ils applaudissent. Ça, c'est quand même inadmissible, cette différence. Qu'est-ce qu'il y a dans les jeux qui fait que ça attire tout le monde comme ça et que ça soit
aussi passionnant pour les gens. Donc, je me suis intéressée à ces auteurs et j'ai fini par comprendre que les jeux déplaisaient beaucoup à Dieu. Enfin, ça c'était dit strictement, directement par les pères de l'Église. Les jeux déplaisent à Dieu, alors que je voyais que par ailleurs, les jeux plaisaient terriblement aux esprits chamaniques. Et j'avais commencé par faire un petit article en 95, d'ailleurs, avec Luc de Heuch, là-dessus. Il m'en voulait pas pour la transe à l'époque. C'était pourtant la même année. Mais quelle est cette contradiction? Les esprits, eh bien, finalement, enfin là, la raison, elle est assez claire. Dieu est transcendant, il faut le respecter, faire sa volonté, il est bien au-dessus de nous. Les esprits, ils sont homologues de nous. C'est soit des animaux, soit des humains, et ce sont des humains morts. Mais de toute façon, ce sont des homologues, et ce sont surtout les âmes des morts malheureux qui ne sont pas ancestralisés, et donc on peut jouer avec eux. C'est pas grave parce que ce sont des égaux, c'est quasiment interchangeable, et donc on joue avec l'autre, c'est un partenaire qui est en même temps adversaire, parce qu'il y a, si c'était le jeu, il y avait cette ambivalence du partenaire adversaire, enfin il est double, il est deux à la fois, sans adversaire il n'y a pas de partie. Bon, donc ça c'était tout à fait important, et on ne peut pas jouer avec Dieu, et on ne joue pas non plus avec des ancêtres. Voilà, on ne joue pas avec les gens qu'on doit respecter. Donc je me suis dit, bon ben ça va très bien, mais quand même, qu'est-ce que c'est que jouer par ailleurs, et en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça représente? Alors, il y a énormément de définitions, mais celle qui, pour moi, a été la meilleure, la plus ouverte et la plus explicative, c'était la définition donnée par Bateson, qui dit: ce qui est propre au jeu, c'est que ce terme désigne un cadre ou un contexte dans lequel les éléments constituants ont une signification différente de celle qu'ils auraient dans le non-jeu, dans un cadre de non-jeu. Donc c'était une définition négative en quelque sorte, mais ça rejoignait finalement la phrase de Huizinga qui est très simple et qui dit: jouer n'est pas faire au sens courant, et dont on conclut que c'est quand même faire, mais c'est pas faire au sens courant. Donc ça veut dire que c'est faire d'une autre façon, ailleurs, autrement, pour d'autres raisons, etc. Mais en tout cas, c'est Bateson qui le disait de la façon la plus efficace, parce qu'il disait: il faut définir le cadre dans lequel ça a une raison d'être différente et une signification différente de ce qui est le cadre ordinaire. Et alors, c'est bien vrai. Il prend comme exemple le fait que, ce qui lui donne l'idée de ça, c'est qu'il y a des singes dans un zoo qui se font mutuellement des grimaces, comme s'ils allaient se mordre ou se griffer, quelque chose comme ça. Et il appelle ça, c'est la morsure ludique. On voyait bien que là, il y en avait un qui voulait mordre l'autre, mais il se contentait de faire le geste comme si, mais il ne le faisait pas vraiment. C'était pas vraiment une morsure, c'était une morsure ludique. C'était les gestes du combat, mais sans le combat. Et ça m'est apparu s'appliquer admirablement à ce que je voyais dans les jeux virils de la fête nationale. C'est par eux que j'ai commencé. Alors, ces jeux virils, il y en a trois sortes. Il y a d'une part la lutte, qui est la plus importante. Il y a le tir à l'arc. Et il y a la course de chevaux. Alors, je me concentre sur la lutte parce que c'est celle qui est la plus importante. Dans la lutte, effectivement, on est deux, on est face à face, ce sont deux hommes, bien entendu, et on fait ça depuis qu'on est tout petit garçon. Et on disait encore chez les Mongols à l'époque où j'y allais, qu'un garçon qui n'aurait pas su lutter n'aurait pas trouvé à se marier.
Et il paraît, j'ai demandé à quelqu'un qui revenait de Mongolie il y a quelques jours, que ça se dit encore. Bon, enfin, ça n'est peut-être pas très répandu. Et dans la lutte, on s'affronte vraiment front contre front, et puis il faut arriver à faire tomber l'adversaire. Bon, c'est pas très intéressant, c'est un peu partout pareil. Mais pourquoi ça a été érigé au rang de fête nationale? Et parce que, de l'avis général, c'est celui des trois jeux qui est le plus important. On ne vous dit jamais tu ne pourras pas te marier si tu ne sais pas tirer à l'arc, ça, non. Ni si tu ne sais pas monter à cheval, mais enfin, monter à cheval, ça va de soi. Et ce sont de toute façon des jeux différents. Et je voudrais bien marquer une différence entre les jeux qu'on joue à deux, et qui font un gagnant, un perdant, et les jeux qui classent, à savoir on est 1, 2, 3. Comme le tir à l'arc, on est celui qui va le plus près, etc. Et la course de chevaux, c'est aussi ceux qui vont le plus près. Peut-être j'y reviendrai après, parce que ce sont des jeux qui ont un rapport au pouvoir, disons, mais pas la lutte, qui a un rapport direct à la notion d'individu et à son essence d'individu et à son essence virile aussi, puisque ça s'appelle des jeux virils. Donc, la lutte. Et évidemment, lutter contre front contre front, et le vocabulaire de la lutte, le vocabulaire des pieds, ça rappelait exactement le vocabulaire chamanique. Et le verbe murgur, qui veut dire encorner, donner des coups de tête, c'est celui qui est le verbe qui accompagne le mot chaman pour dire chamanisme. Autrement dit, le terme chamanisme, c'est Böhmerger, ce qui veut dire l'encornement du chaman, l'encornement chamanique. Parce qu'on n'a pas de mot pour les ramures de cervidés, c'est pour ça que je dis encornement, parce que c'est ce qu'on dit pour les vaches ou les taureaux, pour les taureaux, ou pour. Oui, enfin pour les taureaux. Et donc, et d'ailleurs, le vocabulaire du taureau et de la génisse est utilisé dans les mariages. Les gens, le cortège de la mariée et du marié échangent des chants dans lesquels ils disent Ah, j'ai entendu dire que vous aviez une belle génisse chez vous, nous on a un taureau prêt à encorner. Enfin bon, c'est vraiment très très présent. Et d'ailleurs, dans les rituels de mariage bouriates, qui ont été vraiment très bien étudiés par mon vieux Baldaïef, eh bien, on voit que le mariage s'accompagnait lui aussi de jeux pendant lesquels le marié devait, entre autres choses, lutter et il devait toujours se qualifier par des jeux dans lesquels il l'emportait sur les prétendants. Il en était de même dans les épopées. J'ai raconté aussi comment le héros devait se marier. Eh bien, toujours avant son mariage, le beau-père, avec lequel pourtant il y a eu un agrément de la naissance, il relâcle toujours à laisser échapper sa fille, bien entendu. Et donc, il pose tous les obstacles qu'il peut à l'arrivée de son gendre, et en particulier des luttes dans lesquelles il va lui faire affronter ses plus forts lutteurs à lui. Et il faut que le fiancé gagne. Il faut qu'il montre qu'il est costaud, quoi. Et ça ressemblait aussi au enfin, ça ressemblait au vocabulaire du chamanisme, d'abord trépigner, gratter le sol, etc. Et quand on voit des photos de petits lutteurs, ou de même de lutteurs qui s'affrontent comme ça, et qu'on les rapproche de rennes qui s'affrontent avant de s'accoupler avec leur femelle, on a une exacte image de ce qui se passe dans l'imaginaire au moment du rituel chamanique. Donc, c'était vraiment trop beau. Et je me disais, là, si ça atteint au niveau national, c'est parce que ça rejoint un imaginaire de virilité fondé sur une double capacité qui est fondamentale. Pour des chefs et même pour des individus, mais pour quiconque et pour une nation tout entière, l'une qui est de repousser ses rivaux
et l'autre de s'accoupler de façon à se perpétuer. Donc c'est ce double idéal qui était concentré dans le jeu. Alors, et c'est donc quelque chose qui est inculqué depuis le plus jeune âge, puisqu'il faut préparer, enfin les garçons, on les envoie s'entraîner sur des champs d'orties pour les... parce que les orties, ça pique. S'ils tombent, enfin c'est pour qu'ils essaient de ne pas tomber, quoi. Ils doivent faire le maximum pour ne pas tomber. Et c'est donc très physique, mais en même temps, ça inculque une vision très forte d'un certain nombre de catégories. C'est d'abord la catégorie virile, les objectifs, repousser les rivaux et me reproduire, et aussi un idéal de force physique qui était tout à fait aussi important à l'échelle nationale. Et on voit bien que c'était ce qui comptait aussi dans le choix d'un héros épique qui, dans sa trajectoire de héros, a réussi à repousser ses rivaux. C'était ce qui avait importé dans le choix de créer une religion nationale contre l'ex-colonisateur russe. On voit bien que c'était là aussi ce qui comptait. Donc, cultiver cet aspect-là des choses, c'était cultiver l'orgueil national. Alors, le jeu avait donc des propriétés cognitives formidables, parce que ça permettait donc de voir ces catégories-là, de celles à qui j'appartiens, et je peux lutter contre mon cousin, mais je ne pourrais pas lutter contre mon frère, parce que mon frère, c'est mon frère, je suis du même côté que lui. Donc, il y avait, on apprenait à cette occasion-là aussi les relations de parenté et les choses de ce type. Il se trouve que les jeux tels qu'ils étaient avant les mariages avaient aussi une autre composante qui était indispensable, qui est la composante dansée. C'est-à-dire qu'il y avait des danses mixtes entre hommes et femmes, et c'était les deux seuls jeux qui étaient pratiqués lors de ces mariages, alors que dans la fête nationale, il reste que la lutte et deux autres jeux virils, donc, mais qui sont des jeux classificateurs. Alors, ça a changé au cours des siècles, bien sûr, mais moi, je me suis surtout concentrée sur, finalement, le couple lutte et danse, parce que c'est ça qui reflète le mieux à la fois ce qui se passait dans les mariages et ce qui est le plus important pour le pays. Alors, les danses ont disparu un peu partout de chez les peuples sibériens au niveau national, mais sont très souvent restées au niveau en dessous, au niveau régional. Et là, ça apporte la participation des femmes. Alors on peut dire que le jeu, même quand on l'apprend petit, eh bien, ça vous apprend tout de suite, si vous êtes une femme, eh bien, vous restez, mais vous avez le droit de danser avec les autres, etc. Et puis là, vous changez. Enfin, ça apprend les catégories de base et les attitudes de base. Ça apprend aussi la complémentarité et la solidarité. On est solidaire de la même partie et on est complémentaire, les garçons, les filles, et donc on est complémentaire aussi en tant qu'adversaire, partenaire. Bon. Enfin, ça, c'était un aspect des choses, mais ce n'était pas le seul aussi. Parce que si on se reporte au jeu du chaman, alors là, on a affaire à quelque chose de différent. Les joueurs, enfin, les lutteurs, ils font donc comme des reines qui s'affrontent. Les femmes et les hommes qui dansent, ils font une ronde dont le pas de danse s'appelle piétiner la terre comme un ruminant étalon avant l'époque du rut. Donc c'est des petits pas, c'est des petits trots, c'est le petit trot. Enfin non, pas forcément les femmes, le terme ne s'applique pas à elles, mais elles ont un terme de petit trot, des femelles de reines, etc. Donc c'était chaque fois pour les lutteurs et les danseurs, c'était faire comme les animaux. Et dans le fond, il y avait l'idée, peut-être pas très bien formulée, mais quand même, je l'ai trouvée formulée chez les Évennes, donc qui sont des Tungus qui vivent dans le nord de la Yakoutie, et qui disent, tant que nous dansons et que nous chantons et que nous luttons
comme les rennes et les autres animaux de la forêt, nous arriverons à ne pas dépérir de ce monde. Parce que, en quelque sorte, nous faisons comme ces animaux et dont nous nourrissons, et ça les encourage eux aussi à faire pareil. Enfin là, je résume ce qui tient tout un champ. Et ces chants et ces danses, oui, ils font comme le chaman, lui, il fait un pas de plus. Parce que quand il imite un renne étalon, eh bien, il fait comme s'il était un renne étalon. Il a le costume et ce n'est pas seulement les pas, mais il doit aussi en adopter la voix. Il pousse des sortes de brames, des sortes de cris, où il peut aussi imiter d'autres types d'animaux, mais en fait, il doit le faire beaucoup plus complètement. Et surtout, il y a aussi une autre composante qui va avec l'idée de simulation. Quand on fait la simulation, on va davantage jusqu'au bout de ce que le geste implique. Alors que quand on fait comme, on ne prend qu'une partie de la chose et pas tout l'ensemble. On ne prend qu'une partie, c'est comme les singes de Bateson qui ne prennent que la grimace et qui ne font pas le reste. Tandis que là, le chaman, lui, il va plus loin puisqu'il fait cette simulation qui est, disons, ce qui aboutit à ce que Madame Lotfalk appelait la transe dramatique. Mais en fait, c'est une représentation. Le chaman doit donner à voir qu'il s'unit avec sa femelle, qu'il lui pique sous les selles des poils de gibier qui vont représenter le futur gibier que les chasseurs devront prendre. Enfin, tous ces gestes-là, qui parcourent le territoire où elle doit se promener, etc., ça lui est montré et c'est une espèce de mime assez globale pour lequel il a une grande marge d'improvisation. Alors que le lutteur ou le danseur n'ont pas de marge d'improvisation. Ils font comme les mouvements de base qui suffisent à dire ce qu'ils ont à dire. Et tout ça, ils miment un combat, mais en fait, ils ne repoussent rien. C'est chaque fois quelque chose, on fait comme, mais on ne va pas jusqu'au bout. Donc, ça n'a pas les contraintes ou les obligations de l'action réelle. C'est en ça que le cadre de jeu diffère du cadre de non-jeu, parce que le cadre de jeu permet que j'esquisse l'action, mais sans avoir les contraintes ni les conséquences de ce que mon geste déclencherait dans la réalité. Et donc, le chaman, lui, il simule, et c'est donc une véritable représentation dramatique qu'il donne. Alors, tout cela, bien sûr, implique, je ne sais pas, la notion d'y croire. Bon, enfin, d'adhérer suffisamment pour que le rituel fasse effet. Disons, parce que ce que les gens disent, c'est que s'ils jouent à ces jeux, c'est pour que l'année soit bonne. Donc, il y a vraiment une très forte attente à l'égard de la bonne réalisation de ces jeux. Et c'était ça depuis toujours. On faisait des jeux de ce genre aussi au moment de la saison de chasse, dans les rituels de chasse. Et il faut jouer et jouer du mieux qu'on peut pour que les saisons, la saison soit la meilleure possible. Donc, il y a toujours un enjeu dans le jeu et c'est l'idée de faire bien. Alors, la représentation qui est donnée aussi, il faut qu'il la donne de façon à faire suffisamment croire aux gens. Alors, est-ce que ça veut dire que les gens croyaient vraiment que le chaman avait une épouse et qu'il lui faisait l'amour? Non, bien sûr. Bon, ils vont pas croire ça. Mais c'est l'idée que le faire comme si, et on le sait très bien à chaque fois qu'on a, par exemple, une pièce de théâtre ou un rituel, qu'on fait comme si, mais ce n'est pas pour de vrai. Je pense que le chrétien qui avale une hostie, enfin je voudrais choquer personne en disant ça, mais qu'un chrétien qui avale une hostie et on lui dit c'est le corps du Christ quand il fait ça, il ne se prend pas pour un cannibale. Si on lui disait mais alors t'es cannibale, ça n'irait plus du tout. Hein. Et il sait très bien qu'on est dans un registre
différent, mais il faut quand même, ça n'empêche pas le chrétien d'y croire et d'adhérer tout de même à ce que ça représente comme idée, mais dans un registre qui n'est pas celui de la réalité, mais qui est un registre parallèle, un registre que l'on pourrait appeler un registre, disons, moi que j'aime bien appeler virtuel, parce que le terme de symbolique, on m'a dit qu'il fallait plus l'employer, alors bon, je l'emploie de temps en temps, il me sort comme ça, mais parce que j'ai vu que dans le dictionnaire de l'Académie, le terme virtuel, qu'on voit émerger à la fin du Moyen Âge, dans le vocabulaire théologique, okay, le terme virtuel voulait dire qui a la force et la vertu du réel, mais qui n'est pas réel, et s'oppose à actuel et non pas à réel. Et alors, tout ça a au moins une existence virtuelle, et on parle d'ailleurs, nous, de réalité virtuelle dans le monde d'Internet, des jeux, etc. Et donc, ce virtuel est tout à fait intéressant pour ça et commode à utiliser. Donc, ça suffisait pour y croire, même sans avoir besoin de le croire textuellement.